C'est joué hein, contre Aimi. Ouais, clairement. Il a pas peur, il est sur un stage où il va peut-être avoir du bon wall combo. Ouais. D'ailleurs, on en parlait avec Deus, mais on sait pas trop si elle a des wall combos. Aimi, elle a de très bons wall combos, mais seulement une fois qu'elle a quelques roses ouais. Et la soul charge. En soul charge, elle peut faire très très mal. Ok, ok, c'est vraiment des conditions. Ouais. Et pour l'instant, voilà, Kive, il est passé en mode match-up Aimi, donc il essaie ouais. De pas la laisser jouer. Ouais. Il fait beaucoup de mid-kick. Aïe aïe aïe, il se fait avoir par ça. Terrible. Est-ce qu'il passera pas? Allô. Ah, et encore une fois, oh, avec le tech trap derrière. Mais vous voyez, c'est ça, hein, il a peur du lot. Donc tout de suite, 9 kick, 9 kick. Ouais, ne pas laisser Aimi prendre les roses rouges. Ouais, bien joué. Oh oui, bien joué ça. La bulle. Oh oui, ça c'est joli. Et là, voilà, Sams a réussi à avoir ses 4 roses et il va pouvoir maintenant déployer un petit peu son jeu d'attaque. Ouais, clairement. Ah bah c'est ça, hein, sans les dégâts. Il a un petit peu plus, mal jugé la distance. Oh! Oh dommage, il aurait pu punir là. Ah, des petits soucis sur les whiff punish, c'est mais. C'est vraiment plus de Sam, ça, celui-là. Ah bah c'est pour ça hein, qu'on veut les 4 roses, c'est le 4 AA là, quand ah on sait pas quoi faire. Petit anti-step low. Oh bien joué ça. Parce que le nombre de points de vie qui gratte grâce à ça. Oh, yeah. Oh bien joué! Oh, malheureusement Kip qui a raté un petit peu son combo, je pense qu'il voulait faire un 2 A plus B pour choper le Dark Terror. Ouais ouais, mais non c'est pas quelque chose. Oh bien joué. Il passe pas. Ouh il a failli choper ouais, le mur avec ouais, ça. Il y a mur, c'est l'un de ses meilleurs launchers c'était... contre le mur justement. Oh voilà. Pareil ce coup là il se jette de très loin exprès pour gratter le mec qui essaye de step. Mais ouais là c'est pas passé, le RE, c'est un RE, clair. Ouais. Ouais c'est un petit RE. Raté, ouais. Et le 6 c'est ça qui passe quand même hein. Au prix d'une soul charge. Ouais. Voilà Sams qui a quand même l'avantage. Il a pas réussi hein, encore à avoir de rose blanche, peut-être qu'il a décidé de pas trop s'en préoccuper. Ouais. Et juste d'essayer de jouer efficace. Bon il a raison en vrai. Par contre Kive il a 2 barres. Ouais il a 2 barres, il a la charge. Donc il est prêt, hein. Dès qu'il a une ouverture de garde, il va faire très très mal. Ouais, c'est clair. Bah là, il devrait sous charge peut-être, non? Ouais, peut-être, mais il arrive pas à avoir un petit peu de... Ouais, il arrive pas à respirer en fait. Aïe, 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 c'est low. Oh oui, très joli là. C'est ce B plus kick qui passe en dessous. Oh, oh. Ouais, essaye de s'enfuir. Oh, c'est terrible. La chope basse. Oh là là, il est très serré. Sams qui restait solide et le 3 kick quand même. Il a un petit peu hésité Sams ouais. Et Kive il s'est dit c'est maintenant. Ouais il s'est dit je lâche tout hein, de toute façon il avait voilà. Pas le choix. Il avait pas le choix, il fallait survivre. Ah, c'est bien, il se donne un peu de répit là. Contre Sams il a 2 barres, il est en rouge, ouais, ouais. Il va pouvoir faire ouais, il est très bien là Sams. Hein. Par contre on voit quand même que très souvent il whiff. Kive arrive à beaucoup faire whiff Sams, mais même s'il arrive pas ouais. Forcément il concrétise pas sur whiff, ouais, il a chopé sur des whiffs. Ouais, très bien joué, shot basse. Oh là là, Kip a complètement retourné le match. T'as vu, il fait des just guard ça, parce qu'il prend pas de dégâts sur la sous-charge de Kip quand il garde. Aïe aïe aïe, c'est parti. Aïe 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 aïe, les phases en sous-charge, je la connais celle-là. C'est fait choper. Je l'ai pris 2 fois d'affilée à la Kayane Session. Contre Sams? Contre Sams, tout à fait. C'est lui qui t'a sorti? Il m'a sorti un winner, oui. Ok. Wow, le coup d'entrée de jeu là. Sams qui a quand même réussi à faire un petit retour. Oh là là. Ouais, non, il n'y a pas eu de suite de combo. Mais... Ouais, le wall un petit peu ouais, il est arrondi travers, là. Qui try Kive. Aïe, 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 il est en train de stack, il est en train de stack. Ouais, ça se passe beaucoup mieux hein, cet entame de match pour oh Sams là, avec, là, le avec le A plus B qui passe là. Ouais, très bien. Kive qui sans doute un petit peu agacé là, il n'arrive pas à jouer. Stage un petit peu fermé aussi, il sent un petit peu claustrophobe. Peut-être. Ouais, mais il a pas changé ça, on est d'accord, c'est le même. Non, non, c'est le même, il a choisi de le garder, ça lui convenait sans doute avec voilà, les murs non loin. Ouais. Wow. Oh ce 6-6B qui a traqué, qui a sans doute attaqué. Oh, oh dommage, il a mal jugé le timing.
Et c'est reparti pour un tour. Aïe aïe aïe, il prend la sauce le pauvre. Aïe aïe aïe, et les guard break encore. Ouais, un petit peu d'agacement du côté de Kim, ouais, il va falloir un petit peu se recentrer. Ouais. Ah, la shot qui passe pas non plus. Sam's qui pour l'instant déploie son jeu. Ouais. Très très bien. Ah, enfin! Le 6-6-A qui whiff et Kiv qui pune. Ah ouais. Et là il pune très fort. Oh là là, oh là, 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 il lui reste des dégâts. Hein. Ouais, il y a un petit reset, Sam's aurait pu taker. Oh la chope de dos. Ah, ça passe enfin. Ah, et les dégâts sont là, et la deuxième chope. Là c'est du Kiv là. Là c'est du Kiv, je te chope, je te chope. Ah voilà. Kiv a déployé le jeu. Il est bien. Ça fait remonter un petit peu le moral. En vrai il est sous pression hein, parce qu'il a vraiment pas le droit à l'erreur. Hein. Oh bien joué. Ah enfin des petits AGA. Ouais. Oh, ça, c'est reparti, voilà. C'est bon, Kiv il s'est rappelé qu'il pouvait un petit peu laisser Aimi à distance. Encore une fois Sam's qui est obligé de faire 6-6-A pour approcher. Ouais clairement. Oh là là, il est passé en dessous. Oh bah voilà, ça y est, on a un Kiv tout feu tout flamme, oui, qui n'hésite pas. Et c'est la remontada. Dernière balle de match pour Sam's. Balle de 1 partout pour Kiv. Oh oui, ce 8 kick. C'est un ami, ouais, c'est très inspiré. Très inspiré. Putain, mais ça, en fait, pour se rapprocher, il est obligé de faire ce. Oh là, oh là là. Il a raté, je ouais, pense. Ouais, il a voulu peut-être faire une chope. Mais Sam's a quand même pris de la nature. C'est dans ces moments là hein, où les deux joueurs ils sont sous pression qu'il faut quand même savoir faire le bon choix. Il y a un gros avantage pour Kiv là. La barre de garde de Sam's. Ouais, la barre de garde qui menace d'éclater. Sam's qui passe en sous-charge, c'est comme ça qu'il avait gagné le match précédent. Oh, le 6B qui passe. Oh, ça casse pas, ça casse oh pas là, le là, bien joué. L'héro. Chapeau à Kiv. Il se laisse pas avoir. Hein. Ah ouais, non. Mais t'as vu tout ce qu'il est obligé de faire pour gagner quoi. Il a activé l'ultra instinct. Ah, il a fait tous les bons choix. Il a un petit peu revu son plan de jeu. Ouais. Ça a très très bien fonctionné. Donc là, ouais. C'est redonné du momentum, on est reparti. Alors, bien joué le 3B là qui a cassé l'armor. Kiv qui est vachement défensif. Hein. Shop qui passera pas, le RE. Sam, c'est des RE du pif un peu. Hein. Ouais, il a beaucoup fait de RE là. Il essaie de les cancel, mais ça fonctionne pas contre Kiv. Ouais, ça témoigne peut-être un petit peu hein, de fébrilité de son côté. Ok, bien joué ça. Ah, ça c'est bien. Allez, on a une deuxième rose. RE. La clash. Avantage pour personne. Avantage pour personne, la barre de Sam's qui a quand même pris quelques dégâts. Ouais. Encore RE hein. Et le RE dans le 6-6-A, mais c'est très bien joué ça, ça l'empêche de ouais, vraiment d'avancer. Il s'est trompé. J'ai regardé la caméra et il a fait merde. Il avait peut-être une autre idée en tête. Ouais. Ça n'a pas eu l'air d'avoir fonctionné et là il faut vraiment tout de suite se reprendre hein, parce que faut essayer de ne plus y penser. Ah, et voilà Sam's qui commence à rater des combos. Ouais, c'est jamais bon signe. Il utilise des coups qui sont assez. Kiv qui a totalement les schémas de défensifs de Sam's. Ouais, Kiv il est là. Il a l'air d'être redevenu le Kiv quoi. Il est dessus là. Alors faudrait un petit peu encourager Sam's là. Hein. Il en a besoin. Oh, la mise en veille bientôt de la télé. Voilà, aïe. Là c'est eux. Ouais, Sam's qui avance trop là avec son 6-6-A. Ça va disparaître, t'inquiète. Malheureusement, Kiv a tout compris. Ouais, il le fait whiffer, il met des RE dedans, des CE maintenant. Voilà, un petit peu trop évident. Oh, la chope qui passera pas. Et il est toujours pas en rouge. Hein, ah oui, bien joué le AGA vraiment au dernier moment. Il a toujours pas mis sa dernière rose quoi. Eh non, il a toujours pas la dernière rose. Oh bien vu ça. Oh, oh. Le RE. Oh le RI. Bien joué ça. Oh bien oh, joué. Il a gardé. Oh là là là. Sans punition. Oh là 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 là. Ah, c'est beau.
Pop, 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 pop. Voilà, franchement. Ouais. Il est. Pardon, monsieur. Kiv impérial, voilà. Ah ouais, ouais. Il était tellement mal dans son match. Il était mené 2-0. Ah ouais, non, dans le dixième. Bien joué à lui, hein, franchement. Alors, je vais mettre les points. Ouais, c'est là qu'on reconnaît hein, les grands joueurs. Ouais. De niveau mondial, comme on dit. Ce n'est pas pour rien. Et que c'est l'un des meilleurs joueurs français depuis la nuit des temps. Ouais. Mais il joue depuis quoi? Depuis quel truc? Il joue depuis Soul 2. Mais c'est okay. Vraiment à Soul 3 qu'il s'est révélé ouais. Comme étant un joueur exceptionnel. Ouais, bah. Si ça fait depuis Soul 3, ça fait un petit moment déjà. Eh oui. Du coup, je pense qu'on va faire un petit Freaky Sound contre B-Boy Schizo. Freaky Sound contre B-Boy Schizo, les habitués du PSN. Les frérots, tu préviens Freaky? Tu vas jouer contre lui en stream? Ouais.